Et bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour tester un tout nouveau jeu. Donc voici Voilo. Alors, nous allons tester Coaster Crazy. J'y ai joué récemment. Je dois vous avouer que le jeu est grave, grave addictif en fait. On s'en rend pas forcément compte, mais on s'éclate vachement avec ce jeu. La première chose qui m'est apparue, c'était ça. Donc, on va retourner au monde où j'étais, si j'arrive à le retrouver. Tout est l'histoire, c'est ça. Voilà, nous on était là. Donc, vous devez créer des parcs d'attractions. En fait, c'est ça. Et du coup, à faire vous créer des parcs d'attractions, vous gagnez des sous. Et les sous, vous devez les récolter du coup. Donc là, vous avez vu, je récolte les sous. Donc le monde, vous avez vu comment il était fait un peu. On a plusieurs mondes. Hop là, on va retourner en arrière le temps qu'on a récolté les sous du coup. Voilà, alors nous on est en Australie. J'ai fait 12 défis sur 17. Bon là c'était les sous, en l'occurrence, voilà, je les ai récupérés. Donc après il y a plein d'autres mondes et tout autour de la planète. Nous il n'y a que ça qui nous intéresse, donc on va rester sur celui-là. Là il y a l'argent qu'on a récolté. Là, il y a les rubis. Là, il y a mon niveau. Vous voyez, je suis niveau 5. Donc, c'est convenable. Là, il y a tout ce qui est Game Center, Facebook, YouTube, etc. Donc, nous, on va retourner, hop là, en Australie. Donc, voilà. Donc, si on veut aller, on clique, en fait. Ça, on l'achète. Bon, celui-là, en l'occurrence, je l'ai déjà acheté. On l'achète et on crée, en fait, un parc d'attractions. Donc, vous voyez le parc d'attractions, comment il est. Bon là c'est des trucs que j'ai fait, je suis tout à 100%. Et après vous pouvez lancer une simulation. Bien sûr après vous pouvez améliorer votre niveau, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez éjecter les personnes si vous avez envie. Et au plus ils ont peur, au plus peur est rigolo, je crois que c'est plus rigolo que peur. Et vous gagnez des sous, vous gagnez des points excusez-moi. Et ces points après vous permettent de gagner des sous etc. et tout. Donc ça c'est le premier niveau. En sachant qu'au début du niveau, il y a un didacticiel. Je l'ai passé exprès pour vous montrer un peu le jeu, comment il était. Au début du niveau, il y a un didacticiel qui nous permet de savoir un peu comment marche le jeu et toutes les possibilités qu'on peut faire grâce à ce jeu. Il faut savoir que ce jeu est finalement très. Je me suis dit sur le coup, c'est un jeu de merde, quoi. Mais finalement très addictif. On s'éclate vachement, on fait vachement bordel si on a envie. Donc, ouais, c'est. Après, au début, vous créez des niveaux. Vous allez avoir des trucs, etc. Comme quoi, il faut remplir un certain nombre de critères pour pouvoir ouvrir votre parc, etc. et tout. C'est vachement surveillé, quoi, leur truc. Après, il va falloir essayer de créer le parc sans faire tomber tout le monde dans la fosse. Par exemple, alors, je ne l'ai pas créé, donc on va le créer ensemble, ce parc. Donc les gens, ils sont tout heureux vu qu'on a créé un parc. Donc le parc se compose comme ça. Donc là on a les objectifs à atteindre, nous on s'en fout. Donc voilà. Le parc c'est ça. Il commence comme ça. Donc vous voyez on a le droit à faire 500 mètres de rail. Donc vous voyez les sous. Donc on a assez de sous pour faire un truc plutôt pas mal. Donc on peut zoomer. Bien sûr on peut hop là tourner si on a envie. Donc nous hop là on va créer le parc. On va créer du coup le circuit. Mais il faut que j'arrive à récupérer le rail, voilà. Donc hop là. Donc ça fait comme ça. Après on a une limite, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une limite à pas franchir. Donc voilà. Là on a créé le contour du parc. Excusez-moi. Après vous pouvez faire des modifications sur le parc du coup. Donc là il y a tout ce qui est environnement. Hop là, ça on s'en fout. Et après, quand vous cliquez sur les rails, vous pouvez augmenter les rails. Vous pouvez tourner les rails. Donc là, vous voyez, j'ai tourné les rails. Après, vous allez là, hop là, vous pouvez faire des boucles, une inversion, des virages si vous voulez. On va cliquer sur virage, si ça veut bien. Voilà. Donc vous pouvez faire un virage, oui. Clac. Donc voilà. Après,
Là, par exemple, vous voulez mettre une, je sais pas moi, une boucle, allez, on va dire une boucle, donc clac. Voilà la boucle. Hop là, on va l'inverser. Et voilà, on va un peu la déplacer. Faut savoir que tout ça coûte de l'argent quand même. Donc bon, moi j'en ai pas mal, donc je m'en fous. Mais tout ça coûte extrêmement d'argent. Donc et au fur et à mesure, il va falloir qu'on remplisse les niveaux pour justement qu'on arrive à se faire apprécier des gens pour qu'ils viennent dans notre parc, parce que sinon on n'a pas de sous en fait, hein, s'ils viennent pas. Donc, vu qu'il nous faut des sous pour continuer à exploiter notre parc. Donc voilà. Donc, à mon avis, ça devrait être good. Donc, j'ai lancé un peu le jeu pour que vous voyez comment construire un parc. Donc, vous voyez ça, après, on a vu l'essentiel du jeu. Hein. C'est pas non plus. Le jeu est très bien. J'ai pas regardé s'il était payant ou gratuit parce que moi, je l'avais eu gratuit. Donc, j'ai pas. Je vous avouerai que j'ai. Pas regarder. Donc je vous mettrai dans tous les cas le lien comme d'habitude. Donc voilà, vous avez vu, ça y est, ils sont tous heureux. Donc voilà, là on n'arrive pas au terme qu'ils nous ont demandé, malheureusement. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on va avoir le récapitulatif des points. Donc les points qu'on a gagnés, etc. Vous voyez, bon. Vous voyez, j'ai pas gagné beaucoup de points. Excusez-moi. Et après, il y a le. Si on a le droit de l'ouvrir ou pas. Donc là, on est à 50%. Donc, vaut mieux avoir celui-là, en fait. Donc, je vais attendre un peu pour l'ouvrir. Et voilà. Donc, le jeu en lui-même est très bien fait. Là, il y a le classement annulé, les défis, le décor et les options. Donc, là, on a déjà vu ce que c'était. Donc on ferait quitter sans ouvrir, donc on ne l'ouvre pas. Donc voilà. Faut ça, donc là on a les détails, les défis et le retour. Donc le jeu est bien, attention, très addictif, on peut faire grave bordel avec. Vous pouvez créer presque le parc que vous avez envie. Donc voilà, je le recommande à tous ceux qui sont pour jouer à des jeux un peu rigolos et tout, qui bon des fois faut un peu se casser la tête parce que ça marche pas toujours votre parc. En l'occurrence là il a marché du premier coup, c'est la première fois. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très vite, c'était The Rider Clem pour la chaîne YouTube et pour le site. Et pour le Twitter si vous voulez, j'ai eu un petit souci avec le site, je sais pas si il y a beaucoup de gens qui vont sur le site. Mais j'ai eu un petit souci avec le site, donc du coup, maintenant tout est rentré dans l'ordre. Comme avec l'App Store, j'avais eu un petit souci aussi. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à très vite et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao, ciao!